Bonjour à tous et bienvenue, je suis en compagnie de Franck Sauzé pour vous faire vivre ce match de championnat. C'est Barcelone qui a réussi d'excellents résultats en 2006 cette saison, bien sûr. Oui, le joueur reste sur 15 victoires sur 18 matchs. La composition du FC Barcelone qui s'affiche. Les habitués auront remarqué que l'équipe va évoluer en 4-3-3. Vous voyez apparaître la composition de l'équipe de l'Espagnol Barcelone. Et c'est donc un 4-5-1 classique que l'on retrouve dans cette formation. Le Camp Nou, on est vraiment en terre catalane ici. C'est vrai que la sélection de Catalogne y joue également ses rares matchs, car elle n'est pas reconnue par les instances européennes du football. Allez, que peut-on dire sur le FC Barcelone, Franck ? Ce groupe qui sera attendu au tournant dans ces matchs de préparation et durant toute la saison. L'objectif n'est ni plus ni moins que le titre. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la partie. On a Iniesta. Jordi Alba. Iniesta. Rakitic. Pour Messi. La frappe de Léo Messi. Un seul joueur. Abraham. Le ballon en touche. Les joueurs du Barça qui vont récupérer la balle. À Lionel Messi. Neymar. Ouais, le duel. Andrés Iniesta. La frappe. Javi Lopez. Diop. Nous n'irons pas plus loin sur cette action. Messi. Lionel Messi. Et le tir de Luis Suarez. Ça va être le but. Oh, le gardien qui repousse, attention. Et Iniesta récupère le ballon. Neymar, il travaille bien son ballon et il marque en finesse. L'équipe la plus forte et qui est logiquement récompensée. Alors, techniquement, ils sont supérieurs depuis le début. Ils se sont créés le plus d'occasions. Tout cela est logique. Et le Barça a donc pris l'avantage. Lopez. Felipe Caicedo. Un tacle très propre, une belle interception. Ah oui, ça siffle sur cette passe en retrait. Abraham. Ouais, c'est très bien taclé ça. Dani Alves. Iniesta.
Luis Suarez. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Diop. Et pour Sanchez. Abraham. Diop. Javi Lopez. Abraham. Oui, le bon tacle. Alvaro. Victor Sanchez. Une minute, c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. Ouais, parfaite la passe. Jordi Alba. Jordi Busquets. Mi-temps, c'est la mi-temps ici. Léger avantage donc au moment de regagner les vestiaires, 1-0. Et c'est Barcelone qui n'est pas trop inquiété pour le moment sur sa pelouse. Ses 45 premières minutes ont été à son avantage. Les joueurs restent fidèles à leur réputation sur leur terrain. Ils sont devant à la marque. Et les joueurs sont de retour pour cette seconde période. Javi Lopez. Là, on est dans une phase de conservation du ballon en attendant l'ouverture. Neymar. Jorge Busquets. Kitic. Abraham. Javi Lopez. Le prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109. Diop. Ah, il bascule sur l'aile histoire d'étirer ce bloc défensif très compact. Avec Messi. La passe parfaite. Ivan Rakitic. Rakitic. Devenu l'un des tout meilleurs milieux de terrain du monde et dans la plus pure tradition des joueurs croates. Neymar, et le dernier mot pour le gardien. Le ballon qui sort en corner pour le FC Barcelone. Ah, il boxe ce ballon. Ballon pas trop compliqué à reprendre finalement. Diop. Est-ce que c'est un bon centre? Une belle lecture du jeu hein, sur ce centre. Messi qui prend sa chance. Oh, superbe intervention du gardien. Petit exploit là. Allez, corner à suivre pour le FC Barcelone. Repoussé par le gardien. Dani Alves. Oh, c'est parti! Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Et ça sort en corner pour le Barça. Iniesta. Arrêt du gardien. Ballon en donnée de la tête. Le Suarez la frappe. Oh, l'arrêt. Oh, quel plongeon superbe. Corner pour le Barça. Le gardien éloigne le danger sur ce corner.
Iniesta. Elle vient lui prendre ce ballon. Et le score qui n'évolue plus. Les deux équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment. Sergio Busquets. Neymar. Ah, ça joue collectif. Hein. La frappe de Neymar. Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Et ça donne un corner pour le Barça. C'est dégagé du point. La frappe. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Allez, c'est encore un corner. On a pas mal sur ce match. Il faudrait peut-être venir en soutien pour l'aider. Gérard Piqué. Oh, le but contre son camp. Le joueur qui doit s'en vouloir, évidemment. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire, en fait. Hein. Il faut absolument qu'ils oublient ce but casquette. Et il lui redonne. Je sens que l'équipe va essayer de porter le ballon beaucoup plus rapidement dans la surface adverse. C'est ce qu'a demandé l'entraîneur, un jeu plus direct. Au moins, on ne pourra pas reprocher à l'entraîneur. Attention à la tête. Et les minutes qui passent pour le gardien sans rien avoir à faire. Ce match a dû lui paraître bien long, Hervé. Neymar. Victor Sanchez. Voilà, c'est terminé. Les Barcelonais qui remportent le match. C'est terrible à dire, Franck, mais si on analyse cette rencontre, on s'aperçoit que tout ou presque s'est joué sur ce but contre son camp. Ah oui, absolument. Disons qu'après ce but, les joueurs ont vraiment pris un coup au moral et ils n'ont jamais su faire ce qu'il fallait faire pour revenir. Le FC Barcelone qui continue à imposer sa domination sur son terrain. La victoire est là. Je crois que c'est surtout ce que retiendra cette équipe.